Et bon bah ça y est, j'ai tout nettoyé les escargots, je les ai remis dehors avant qu'ils gèlent. Donc au programme de ce dimanche, on va profiter de la belle luminosité pour faire toutes les photos des enveloppes budget juste ici. Pour pouvoir virer, si possible, ce serait très beau, mais j'y crois pas parce que ça va descendre trop vite. À vos places! Allez! Pour pouvoir virer ces deux caisses, ce sera pas mal. Donc j'ai commencé mes petits tas, déjà on va commencer par ça. Et puis après, va falloir que je vire les alaises, que je nettoie tout le bureau parce qu'il y a bon, encore tout salopé. Et si je peux, j'aimerais vraiment beaucoup virer tout cet espace-là. Donc on va voir si ça va être possible ou pas. Et le tout en buvant une petite frise mangue pêche. Bon, je crois qu'il va pleuvoir, il y a déjà plus de luminosité, heureusement que l'appareil photo compense parce que c'est beaucoup plus sombre que ce que vous voyez là. Et voilà toutes ces dizaines d'enveloppes de photographies. Donc, une boîte vide, bonne à mettre à la poubelle. Une place de gagner, c'est cool. Et après, il manque juste les petites étiquettes là à prendre en photo.
Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que là, je pense que vous vous rendez bien compte du peu de lumière qui me reste. Voilà, là, on se rend bien compte, et parce que quand je m'approche, généralement, il arrive plutôt bien à compenser, c'est plutôt clair. Mais moi, je commence à me bousiller les yeux. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Et il me restera encore ça à faire, mais bon, on aura bien bossé, c'est déjà pas mal. Donc là, je vais passer à faire autre chose, je ne sais pas quoi exactement encore. Mais déjà, arranger toutes les enveloppes dans la caisse là-bas, si ça rentre. Ça, ça va être d'autres histoires. Donc voilà, là, finalement, la problématique est là. Ça ne rentre plus, on est dans la merde, les gars. Donc faut que je me dépêche de mettre toutes les fiches en ligne, parce qu'il faut que ça se vende, parce que là, c'est juste plus possible. Moi, je vous le dis qu'on va rigoler quand tout ça va se casser la gueule. Mais j'ai pas le choix, je peux pas le mettre au sol, sinon Amaury va pisser dessus. J'en ai marre. Bref, on va s'occuper de mettre les fiches en ligne. Bon, je pense que ça va se voir, je suis en plein rangement. Bon, déjà, j'ai enlevé la tour de pisse ici parce que je sens que ça allait se casser la tronche à tout moment. Ça... On n'en parle pas, ça je suis encore en train de ranger là-dessus. Donc j'ai enlevé le terrain des escargots ici pour mettre la déco Harry Potter qui était là-bas au fond, elle est arrivée ici. Faut que je nettoie tous les petits personnages et que je les mette ici avec ma petite collection de chouettes. Chouette et hibou parce qu'il y a les deux. Ensuite ici, j'ai viré la cage de Kitty parce que c'était pas pratique à nettoyer, etc. Avec les poils qui s'accumulaient autour, c'était un enfer, je détestais ça. En plus, ça voyait tout le temps en vlog et moi, ça m'énervait. Donc, elle est quand même plutôt en bon état, donc on l'a repliée, on l'a rangée. À la place, j'étais chercher ma table de chevet qui est normalement dans ma chambre. Parce que c'est pas une table de chevet, en fait, c'est une table basse. Et je l'ai mis ici en espérant qu'Amory me le déloigne pas en 2 secondes, mais bon. On fera ce qu'on peut. Donc, j'ai mis son dodo qui était dans la cage, je l'ai mis en dessous. Dessus, il y a le terrain des escargots qui est arrivé. Faut que je fasse du tri dans mes stylos et après, ça retournera sur le bureau. Et derrière, j'ai mis tout ce qui était à manger. J'avais mis une petite bougie, parce que j'ai retrouvé des trucs à allumer. Là-dedans, c'est que du poisson séché, qui est encore en sachet, c'est pas ouvert. Et ensuite, j'ai réparti les croquettes là-dedans, et j'ai d'autres boîtes qu'il faut que je mette là aussi. Et donc, j'ai dû décaler l'étagère, parce que c'est pour ça que la déco a pu être trop en face, mais il manquait la largeur d'un accoudoir. Donc j'ai décalé, j'ai mis les caisses ici, en espérant qu'Amaury n'y touche pas. Faut encore que je trie ce qui est là-dedans, mais je vais pas pouvoir faire tout ce soir. Donc le but, c'est qu'ici, bon, j'ai encore un petit peu de déco qu'il faut que je trie également. Et puis bah, tout ce qui est produits de toilettage et tout, bah, je vais essayer de le ranger dans cette étagère. Je pense que ce sera le plus simple. Voilà, je suis en plein bric-à-brac là tout de suite, parce que je commence à péter un câble. Et tout à l'heure au boulot, j'étais en train de penser à une liste de tâches à faire et je me suis dit il faut que je me fasse parce que je sais pas par où commencer. Là je l'avais en tête, je l'ai noté, comme ça j'ai suivi point par point la liste que j'avais à faire. Donc je continue de trier, mais je vais aller sur le PC pour faire ce que j'ai aussi à faire, parce qu'il est déjà minuit et demi, donc enfin minuit un quart. Donc voilà. Petit changement, même si ce ne sera pas le gros changement que je vais faire dans cette pièce, je vais la rénover complètement. Mais bah, pour ça, il va falloir que j'attende que lui soit parti, parce que sinon il va me détruire tous les meubles que je veux. Donc j'ai pas le choix. Au moins, ça fait un coup de propre, un coup de tri, et puis ça fait pas de mal du tout. Bon, j'ai failli oublier de faire mon petit vlog du jour juste avant d'aller me coucher, parce qu'il est déjà assez tard. Donc j'ai apporté quelques petites modifications en espérant que... Ah bon, il n'en profite pas. La grosse caisse, c'était pas possible, ça faisait vraiment pas ranger quoi que ce soit. Donc la grosse caisse a fini en dessous, en espérant qu'il y touche pas. Comme ça ici il n'y a que 2 caisses qui sont bien profilées dedans, comme ça je mets bien mon petit doudou. Jusque là, en mettant l'escalier devant, il n'y touche pas. Croisons les doigts pour que ça continue comme ça. Donc après, comme ça l'étagère est beaucoup plus disponible. Pour le coup là, ça n'a pas trop changé. J'ai encore ça à trier. Donc je fais ça au fur et à mesure, je m'en fous pas plein la tête d'un coup. Tout ce qui est important, c'est d'en faire au moins un petit peu. Là j'ai rien trop changé, je ne crois pas. Ici j'ai mis ma tablette juste là. En ce moment j'arrête pas de vider des poubelles, au fur et à mesure je jette. Et ce que je fais, c'est que je me fais un petit tas à faire chaque soir, de pouvoir photographier, ranger, filmer, mais vraiment tout petit truc, histoire de dire j'en fais un petit peu tous les jours. Donc voilà, on avance dans tout ce petit schmilblick.
Et j'ai failli passer une commande sur une boutique que j'ai pas arrêté de passer commande ces derniers temps, mais sauf que je ne l'ai pas fait parce que bah, finalement j'ai pas forcément le budget malgré ma prime parce qu'il faut que je garde de l'argent pour la voiture. Donc on verra ça le mois prochain. Donc j'ai passé une commande chez quelqu'un d'autre qui était beaucoup moins onéreuse. Donc j'ai passé une petite commande chez une autre boutique chez qui j'ai déjà commandé. Donc j'ai hâte de vous montrer ça parce que c'est un design qui est vraiment atypique mais qui correspond bien. Petit indice. Là-dedans, il y a une de mes collections qui est le motif de cette collection. Donc voilà. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas. Donc non, c'est pas forcément ce que vous pensez en premier lieu. Bref, il est assez tard comme ça. Moi, je vais aller me coucher. Et oui, c'est ça aussi, j'ai oublié de vous montrer ma réception du jour. Ça, dites-moi qui a la ref. Pelon, c'est mon dessin animé préféré. Donc ça faisait un moment que je voulais l'avoir pour mettre sur mon petit sac. Donc qui a la petite ref? Je vous laisse me dire ça en commentaire. Donc plus ce sera détaillé, plus je verrai les passionnés. Donc lâchez-vous. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Donc les doudous sont en train de finir de manger. Enfin, je leur donne à boire juste après. Et on va essayer. J'ai tout nettoyé les escargots. Je les ai remis dehors avant qu'ils gèlent. Donc ils se débrouillent. Je leur ai mis à manger et compagnie. Je vérifie tout, que tout le monde se met bien en hibernation dehors quand même. Ils ont choisi le bac où je les laisse. Ils y vivent tout le temps. C'est trop bien. Donc bah, ça y est, c'est nettoyé. J'ai pas remis les portes pour l'instant. Donc c'est tout propre. Je vais m'occuper de demander une confirmation pour une livraison. Pour commander la bébête qui ira dedans. Et je vais me la faire livrer. C'est la première fois que je vais faire ça, de me faire livrer un animal par la poste. Mais alors, Toto de Lady, merci, c'est gentil. Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est tout. Voilà, je crois que c'est tout, je ne sais plus. Genre, j'avais autre chose en tête, mais ça me revient pas. Mais bref, au moins ça c'est tout beau, tout propre, tout nettoyé, il n'y a plus qu'à. Je vous laisse encore mettre dans les pronostics qu'est-ce que je vais bien pouvoir commander, parce que de toute façon ce ne sera même pas dans ce vlog là, parce que si je le reçois ce sera que la semaine prochaine. C'est ça que j'allais dire, j'ai aussi une commande Etsy à préparer, il faut que j'aille voir parce que je ne sais pas du tout ce qui m'a été commandé. Donc finalement ce ne sont pas une mais deux commandes que j'ai eues, donc pour l'instant je prépare les deux enveloppes, les articles commandés. Et avec, je vais glisser une petite pochette sur une couleur des fêtes et à peu près assortie avec les petits bonhommes. Une petite pochette de friandises chacun. On va venir rajouter les petits mots personnalisés. Ensuite, je vais rajouter les autocollants qui vont fermer le papier de soie et les enveloppes. La déco, parce que comme on est à partir du mois de novembre, je mets des petites décos spéciales Noël sur les enveloppes. Le petit sticker offert. Les papiers de soie. Et puis là, je suis en train d'imprimer les cartes de visite que je vais rajouter là-dessus. Voilà. Et je ne fais pas les choses à moitié, je gâte tout le monde. Et voilà, les deux commandes sont prêtes. Je les ai filmées, photographiées comme toutes les commandes que je fais, histoire de toujours faire des réels, des posts, etc. Je trouve que c'est toujours assez important pour partager sur les réseaux. Donc voilà, on a mis la petite... petite déco de Noël en plus dessus. Le timbre, ce que je peux vous montrer sans trop vous montrer. On a mis des timbres spécial fêtes. Et ce qui me fait sourire, c'est qu'il y en a une. Ah bon, les adresses. Une dans 78, donc c'est vraiment pas loin de la maison. Et on en a une dans 76, donc c'est mon département. Donc c'est vraiment pas loin. Je me disais que j'avais reconnu le nom de la ville. Donc voilà, il n'y a plus qu'à expédier ça demain. Du matin, je vais pas tarder à aller me coucher, mais comme j'ai pas fait trop de mise à jour pour ce jeudi, donc aujourd'hui c'était le dernier jour de la semaine puisque demain c'est férié, donc demain week-end de 3 jours, même si moi déjà de base j'ai la chance d'être en week-end 2 jours et demi par semaine. Donc j'ai envoyé mes commandes aujourd'hui, je sais plus si je vous ai dit, j'ai commandé la prochaine bébête qui va aller dans le petit vivarium avec tous les accessoires, etc. Mais je pense pas vous l'avoir dit. Et j'y ai trouvé un petit nom, si ça peut vous donner un indice. J'ai décidé que je l'appellerais Millie. Donc oui, c'est quand même une bestiole à qui je vais donner un nom, parce que vous allez peut-être être choqués une fois que vous l'aurez vu quand je vous dirai l'espérance de vie.
J'estime qu'un animal qui a une certaine espérance de vie mérite un nom. Donc ce sera Millie. Donc on attend que Millie arrive, parce que Millie, je l'ai commandé, je crois vraiment pas que je vous l'ai dit, sinon je perds la boule, je suis désolée. Et je l'ai commandé sur internet parce que je suis pas patiente, comme d'habitude, que j'ai une atroce envie d'un nouvel animal en ce moment. Ça arrive très souvent au moment de l'approche de mon anniversaire, c'est comme ça. J'attends de la recevoir la semaine prochaine. Oui, vous vous doutez bien que si c'est envoyé par la poste, c'est pas n'importe quel animal. Enfin, la poste. C'est Chronopost qui va s'en occuper, ça arrivera en point relais pour que je puisse le récupérer dans la journée pour pas qu'elle traîne en magasin et qu'elle soit vite installée. Enfin bref. Espérant qu'il livre pas trop tôt non plus, qu'elle patiente pas trop longtemps, mais bon. Vous verrez, ça perturbera pas trop, vous inquiétez pas, je ferai pas ça si je pensais pas que c'était si atroce que ça. Et au vu des prêts de port que j'ai payés, j'espère que quand même que ce sera pas géré comme un colis lambda. Voilà. Et sinon, j'ai rajouté les petites là-haut. J'en ai rajouté quelques-uns. Regardez. Donc ce soir, j'ai goûté celui à la fraise, mais j'ai l'impression que la grenadine, c'était la version la plus... Oh, j'ai pas réussi à l'allumer. Enfin, sur TI, hein, j'arrive. Voilà. Donc il y a celui du milieu, c'est celui à la fraise. Il faut que je rajoute d'autres, mais il faut que je fasse de la place. Mais je trouve l'effet plutôt sympa. Faut que j'enlève tous les autocollants, je pense, dessus. Ça pourrait être encore mieux. Sinon, hier, j'ai finalisé mon calendrier de l'Avent. Donc, ce qui s'est passé... Bon, ça, mon sac Harry Potter, faut que je le lave d'ailleurs. Je sais pas si je le prends demain ou pas. Je pense pas. Parce que demain, on sort avec mon chéri. Mais je vous en parle pas spécialement. D'ailleurs, pas tarder à aller se coucher. Parce qu'on va se faire une petite sortie en amoureux. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je vous en parlerai plus dès demain. Je vais essayer de filmer sur place si c'est possible, parce que j'ai pas l'habitude des salons non animaliers, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas trop si c'est ok de filmer là-bas. On verra. Mais donc voilà, j'ai fini mon calendrier de l'Avent, donc j'ai mélangé mon calendrier de l'Avent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des rouges à lèvres que j'ai commandé, que je vous ai montré, mes Kinder Surprise et des produits de Body Shop que je devais offrir l'année dernière en cadeau de Noël, qui finalement a été annulé pour cause de Covid. Et finalement, apparemment, on verra toujours pas ces personnes-là cette année, donc on peut dire que sinon les produits vont être un petit peu périmés, on va dire, même s'ils n'ont pas été ouverts. Donc je me suis dit qu'autant que je me fasse un kiff, donc je me suis mélangé les petits produits de Body Shop là-dedans. Et en parlant de ça, en ce moment, je suis en train de regarder les vidéos de Laura de Lodos Makeup. Alors, c'est une youtubeuse que je suis de manière alternative. J'adore la voir faire ouvrir les calendriers de l'Avent. C'est une personne qui, à la base, déjà, je la suivais parce qu'elle avait les cheveux rouges aussi pétards que les miens. Là, je crois qu'on devait utiliser le même produit. Mais je l'ai jamais suivie très très longtemps parce que je dois dire que même si c'est une personne qui est très agréable, qui est très gentille, elle a une manière de parler qui est tellement monotone et tellement molle que moi à chaque fois j'ai du mal à suivre pendant 3 plombes. Donc les calendriers de l'Avent, ça passe, mais regarder toute l'année sur des sujets, notamment maquillage, qui m'intéresse pas plus que ça, je finis par décrocher. Donc je la suis à ce moment là et j'ai vu une petite ouverture des calendriers de Body Shop, et je dois vous dire que pour l'année prochaine, je pense que je m'en offrirai un bien sympathique si d'ici là j'ai fini les produits que j'ai, parce que ce sont de très très beaux calendriers. Il y en a 3 gammes intermédiaires à 55, 70 et 130 euros, je crois, si je me trompe pas. Donc on testera un petit peu tout ça. Mais maintenant il est trop tard, je vais pas commander un nouveau. Là j'ai déjà fait mon propre petit micmac, donc ça ira comme ça. Donc voilà, puis j'ai quelques petites affaires que j'avais prévues pour pouvoir commencer à faire de la place dans mon sac. Donc voilà, donc pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui, petit train-train habituel. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres trucs, je ne crois pas. Enfin si, j'ai reçu un truc hier, mais mon chéri ne veut entre guillemets pas que je vous le montre parce que c'est compliqué. Il y a peut-être un produit qu'on a commandé qui me plairait et que je voudrais peut-être prototyper, donc on va le garder de côté pour le moment. Mais donc je peux pas vous le montrer. Désolé. Bref, moi je vais aller me coucher dans quelques minutes, je finis ma vidéo avec Laura. Et puis voilà, donc je vous dis à demain.